Ah bah enfin, j'ai enfin réussi à les capturer après moult problèmes. C'est tellement bien dit. Donc salut à tous et à tous, enfin plutôt re-salut à tous. C'est re-SpeedRabbitGamer pour la nouvelle vidéo test sur YouTube. Pas sur Deviant encore une fois. Toi t'es con, pourquoi tu m'as pas fait chaud. Pour Dailymotion, non pour YouTube justement, pas pour Dailymotion. Alors je sais pas si je mettrai sur YouTube. J'en ai déjà parlé, j'ai pas envie d'en reparler des emotions. C'est un cas particulier en ce moment de ma vie, on va dire. Et donc on se retrouve, j'ai même pas précisé sur quoi, bah sur le nouveau kit download content. Alors, je sais pas si t'es tellement content quand tu l'achètes, mais bon, le nouveau contenu téléchargeable pour Uncharted 3. Oh yeah! Ça rigole plus, man. Boum, tu vas faire boum avec ma grenade. Hop là. Bon. Le nouveau contenu des charges qui n'est autre qu'une... comment dire, c'est une nouvelle aventure en coopération. Donc en fait... Antoine, je vais encore devoir venir te sauver. C'est une nouvelle aventure en coopération. Putain, mais pauvre con, va! C'est quoi qu'il a ce mec au bout là-bas? Mais c'est un fou. Bon, tu t'en occupes. Donc, une nouvelle aventure en coopération de. Alors, je sais pas si vous savez, mais dans Uncharted 3, les aventures en coopération, c'est une sorte d'histoire vu qu'il y a 6 chapitres. Enfin, il y avait 6 chapitres. Là, ça fait 7. Alors, il me semble, hein. Ça faisait 7. Enfoiré, il m'a piqué mon sniper. Et en plus, lui, il est en train de me dégommer la gueule. Oh crap. Bordel, la putain, au secours. Voilà. Non, mais on s'est même plus comprendre par ses propres camarades maintenant. T'inquiète, je suis là. J'y suis toujours là. Hop là, toi t'es plus là. Et donc là en fait c'est une c'est une je sais plus comment on dit. C'est le premier épisode en fait. C'était un... Ça se passe avant bah, tous les épisodes d'aventure en coopération. Et on ne joue pas les héros. On joue pas les héros, mais on joue le Ah ouais, je m'en souviens où est-ce qu'il est. Boum. Oups. On joue les méchants, donc Zoran Lazarevic. Boum. Zoran Lazarevic que tout le monde connaît. Toi, viens par là. Eddie Raja want to kill you. Alors pour ceux... Merde. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo... Pour ceux qui auraient... Voilà, là c'est Eddie Raja qui vient de parler et Harry Flynn donc du 2. Je disais pour ceux qui n'ont pas vu le trailer, bah, c'est le trailer qu'ils ont balancé. Eddie Raja want to kill you. Ah il est excellent. Franchement c'est des héros. Bon ils n'étaient pas spécialement charismatiques, mais on est content de les revoir. Et notamment de pouvoir y jouer. Alors, qu'est-ce que ça a... Alors le prix c'est 6€. Alors vous allez me dire c'est cher. Oui c'est cher. Oui c'est cher quand même. Bon d'accord, c'est du multijoueur, donc c'est à dire que vous allez faire le temps que... Enfin vous jouez autant de temps que vous le refaites autant de temps que vous voulez, c'est ça que je veux dire. Sérieusement c'est une bande de boulets. Vous le faites autant de fois que vous le voulez. Mais après, la durée de vie de base, c'est à dire en moyen ou difficile, c'est que une demi-heure. Une demi-heure pour 5€. Enfin, pour 6€. C'est super, super cher. Bon, d'accord. Bon, on va être sincère, la mission est super sympa. Mais vraiment super sympa. Hein. Le fort, il est vraiment très, très joli.
Rien à dire, il y a plus de phases d'escalade, ce qui pouvait peut-être manquer un peu dans certains moments des aventures en coopération et tout ça, ou même dans la coop. Là, on a quand même pas mal d'escalade, donc c'est vraiment super sympa. D'ailleurs, je vous invite à voir le let's play si vous voulez voir à peu près ce que ça donne, la mission entière. Et bon, on va se faire plaisir en attendant que Gertrude arrive. J'aimerais pas dépasser 10 minutes. Et sérieusement, ils me cassent les couilles, les gens, à pas ramener leur cul. En plus, on est en difficile. Il suffit que je lui tire dessus. Bon, vas-y, kill-moi aussi. Je sais que je suis un enfoiré. Mais je vais le tuer, ramène-toi là. Hop là. Ouais, super le petit bug, mais c'est pas grave. Boom. Bah allez, moi je me taille les amis. Moi je vais... Bah comme ça je vous montre un peu d'escalade. Ah non, je crois pas que c'est ici qu'on a... Si, peut-être... À vérifier. Bon, on va les laisser dans leur merde. Hein. Hop là. Ouais, mais c'était fait exprès, vous voyez. Bon, faut que j'arrive à parler. Si j'ai pas de GD, je voulais pas dépasser 10 minutes. Bah, j'ai un peu tout dit en même temps. Le scénario, bah, ça va laisser une fin en suspense, bien sûr. Je vous en dis pas plus. Bon, ça sert à rien de. Bah, sincèrement, vous allez pas être bluffé par ça. Oh, joli l'eau. Ok, joli l'eau quand même. Sympa les paradisiaques. La classe, non? C'est bien parce qu'il y a les autres qui sont en train de crever et moi qui regarde le paysage, mais c'est tout moi ça, c'est moi dans ma totalité. Là par contre il y a du sniper, c'est moins drôle. Et là il y a des mecs qui veulent me killer, c'est moins drôle. Fais gaffe à toi, prends pas toi balle de sniper. Boum. Oh l'enfoiré de fils de pute. Bon, moi je vais m'occuper du sniper. Enfin, voilà, il est vraiment... Autant l'aventure peut être bien. Si vous n'êtes pas Fortune Hunter Club, donc c'est-à-dire le club qui paye pas les DLC, mais bon, qui a payé quand même le truc. Franchement, c'est... Vous avez payé ça, la peau du pu pour ce que c'est. Et c'est complètement abusé. Et quel con. Oh non. Oh, c'est ça. Ah, ça va, on peut passer par le raccourci. Et encore faut-il que j'y arrive. C'est trop cher, c'est tout. En plus, il paraîtrait. Alors, il paraîtrait, ça reste à justifier. J'ai vu ça sur des forums. D'ailleurs, j'ai pas. Il paraîtrait qu'il faudrait avoir le pack flashback map pack qui coûte quand même déjà 8 euros. Bande de pirates à la con! Mais qu'est-ce que vous essayez de faire? Vous tuez? Ah, c'est excellent. Mais, enfin voilà, si pour 15 euros, enfin s'il faut payer 15 euros pour ça, voilà, non peut-être pas quand même, hein. On va peut-être pas abuser. Foiré, ce n'est de mec. Mais il est où son... Oh non. Oh non. Oh non. Non, j'y crois pas. Bon bah moi je vais m'amuser à faire un peu d'escalade.
Boum. Le délire. Ouais, bon bah sur ce, c'était une vidéo test de merde, je suis d'accord. Non mais sincèrement, je trouve que c'est vraiment abusé de la part de Naughty Dog de sortir ça aussi cher et pour la longueur que ça dure. D'accord, c'est de la qualité. Après voilà, c'est complètement abusé, mais c'est du 100% abusage à... C'est la classe quand même. Bon alors, one... C'est du solide hein. Putain, il marche encore l'enfoiré. Bon. Voilà, c'est déjà mieux. Bandai, vous croyez qu'il a réussi ici? Là, là c'est un peu... Oula, je sais pas ce que j'ai fait, mais c'est un peu abusé. Bon, allez, plus de 10 minutes, c'est ça? 11 minutes, ouais. Donc, à vous de voir, j'ai envie de dire, à vous de voir, mais... je vous le conseille pas. C'est bien parce que là, je peux plus réapparaître, donc comme ça, et ben, au moins, on en profite parfaitement pour voir ce magnifique paysage. Donc ça reste beau, hein. Et c'est un pur plaisir de retrouver... moi, c'est surtout Eddie Raja que au niveau de la voix et tout ça, il était trop bien, il est trop bien, Eddie Raja. Là, dans la ville, bah, c'est le dictateur fou, hein, si vous voulez que je vous dise. Donc sur ce, je vous souhaite à tous de passer une très très bonne soirée. Je ne sais pas quelle heure sera publiée cette vidéo. Et bah salut à tous.